Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une GRG, celle de la locomotive A1A 68020 de chez Rocco, qui est arrivée hier. Je vous remets le lien de l'unboxing. Donc là, on va y aller étape par étape, comme d'habitude. Mais par contre, on va lui faire une totale, c'est-à-dire la dépose de la caisse, la dépose des organes de réduction, le nettoyage complet, une relubrification complète, bref, le planning habituel pour une GRG, la remise en place de nouveaux bandages d'adhérence neufs, et puis on va vérifier si tout fonctionne correctement. Alors, j'ai entre-temps, depuis l'unboxing, mis la locomotive sur le banc et fait un check-up de son décodeur. C'est un décodeur LogSound 3.5. Bon, il est là, il fonctionne. Il n'a pas les derniers raffinements que peut avoir la version 5 des LogSound. Mais c'est sa configuration d'origine, donc on va le laisser comme ça. De toute façon, moi, pour les gens qui suivent un peu la chaîne, bienvenue à Wissenheim, vous savez que le son, c'est pas particulièrement la filature que je recherche. Moi, ce qui m'intéressait surtout dans cette locomotive, c'est d'avoir une première série avec le Macaron SNCF. Et je dois avouer que mon vœu est exaucé et son aspect, comme on l'a vu hier dans l'unboxing, est très très correct. Donc, une GRG mécanique, un petit lifting. Je ne vais pas faire de modifications sur cette locomotive pour l'instant. Il y a des modernisations qui pourront être faites ultérieurement. Je pense notamment au remplacement des ampoules. Voilà. Par des LED. Quand même. Mais ça ne va pas être l'objet de cette GRG. Là, c'est vraiment une remise en état pour une mise en circulation de la locomotive rapidement sur le réseau. Parce que, en fait, j'aimerais bien faire tourner le convoi qui lui est dédié, que j'ai appelé affectueusement l'étoile de l'Est, étoile du Nord, étoile de l'Est, étoile... Vous voyez, c'est IWL. Ça cogite un peu là-dedans. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui s'offusquaient que j'appelle un train drapeau l'étoile de l'Est. Bref, c'est en référence à l'étoile du Nord, vous l'avez compris. L'étoile du Nord, c'est donc un convoi qui voyageait sur le réseau Nord et l'étoile de l'Est sur le réseau Est. Alors, plus exactement, ce qui est assez amusant, c'est que dans les sonorités de cette 68000, ça parle de la liaison Tourcoing-Lille-Flandre-Bruxelles-Midi. Donc, du coup, en départ de Wissenheim vers Bruxelles-Midi, ça peut être marrant. Enfin, voilà. Donc, étoile de l'Est pour ce convoi que je vous ai déjà présenté dans les différents unboxings. Et donc, j'ai envie de faire tourner ces convois-là et puis de la faire tourner en parallèle avec la 72030 de chez Rocco, qui est là, ici, là. Là, dans le... Là, elle est juste là. Voilà. Elle est protégée dans le tunnel de la voie de montagne. Puis derrière, il y a toute la ribambelle de voitures UICY de Rocco munies de Perfect Coach Lighting. Et donc, du coup, j'avais envie de commencer à avoir l'autre convoi qui tourne un petit peu, ce qui va me changer de mes chéries, c'est-à-dire mes voitures Pullman et les voitures de la CIWL. Alors, c'est quand même des voitures de la CIWL, mais c'est des voitures époque 3C. Donc, je tiens à préciser que, aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de changement, mais l'époque 3C se termine en 1970, 71, à peu près. C'est-à-dire à l'abandon des signalétiques rondes Macaron avec l'arrivée du sigle SNCF Nouille. Petit rappel historique à ce niveau-là. Et donc, du coup, moi, m'arrêtant à 3C, du coup, effectivement, la 68000 a sa place, puisque la première série de la 68000 est sortie en 1963. Et donc, du coup, 63, 69, ça me laisse un peu de marge, quand même, pour pouvoir faire tourner ces trains. Et donc, les deux locomotives les plus récentes sur le réseau de Wissenheim vont donc être cette 68000 et la 72000, pardon.
Alors, est-ce que une 67 000, du coup, pourrait avoir sa place sur Wissenheim? Dans l'absolu, oui, mais il faut que je lui mette quelque chose derrière. Et pour l'instant... Alors, il y a une possibilité de mettre un Trans-Europe Express Mistral 69 avec tiré par une 67 000. C'est pas déconnant. Même si dans l'absolu, ça serait mieux de le mettre avec une 6500. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands conforts, elles sont tirées par des 6500 puisqu'elles sont en livret Arzin, comme la 6500. Donc les grands conforts sont en livret Arzin comme la 6500. Mais il n'y aura pas de locomotive électrique sur Wissenheim, ça c'est une certitude. Parce que j'ai pas du tout envie de m'emmerder à mettre de la caténaire, même si j'adore ça. Et que, étant un petit peu un puriste jusqu'au boutiste de la caténaire, si je mets de la caténaire, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Si elle doit être fonctionnelle, il faut que je la rende fonctionnelle, ce qui est un travail assez sympa. Et se coltiner les deux rampes de 25 mètres en caténaire fonctionnelle, plus toutes les gares cachées, non. Juste non. Donc ça clôt le débat là-dessus. J'ai pas du tout envie de me lancer dans ce projet-là. En tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et je pense que ça le sera jamais, en fait. Donc, le réseau de Wissenheim, c'est un réseau vapeur. Alors, je fais une concession sur l'électrique, parce qu'il faut bien, mais, voilà, hein, fin de l'histoire. On m'a posé la question de savoir si une 141R, ça pourrait être pas mal, une charbonneuse, ou une pétrolette. Oui, mais moi, j'ai une 141R Jouef canal historique, il est hors de question qu'elle tourne sur le réseau, c'est une casserole. Même en faisant une remotorisation e-prod, elle ne me plaît pas. Donc, il faut que j'attende que Jouef en ressorte une, ou un autre fabricant. Bon, dans l'absolu, je rêverais d'avoir une Lemaco, hein, mais à 900 balles la locomotive... Je ne suis pas sûr que la Lemaco apprécie particulièrement les rampes. Je m'éloigne du sujet, ça fait déjà 7 minutes que je cause en introduction, donc là maintenant, on va passer à la GRG. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors voilà, pour démonter la caisse de la locomotive, il faut écarter légèrement les flancs. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant parce qu'on a peur qu'on va exploser, en fait, la caisse. Donc il faut utiliser des cartes plastiques pour écarter, mais pas trop écarter, parce que si c'est trop écarté, on risque d'abîmer. Donc c'est un peu une opération un peu pénible. Moi, je n'aime pas beaucoup, pour rien de vous cacher, cette opération-là, parce que c'est quand même pas super intuitif, quoi. Mais bon, on y arrive, et on voit la bête. Alors, j'ai eu un petit morceau de plastique, je ne sais pas d'où il vient. Mais bon, apparemment, non identifié. Alors, la caisse est bien gravée, c'est du roco. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de remarques à faire sur la caisse. Alors, par contre, je mets l'indication HP du côté du haut-parleur pour la remettre dans le bon sens, parce que j'ai pas envie de galérer à pas trouver le bon sens. Donc du coup, je me mets un petit détrompeur à l'intérieur, ça se voit pas, c'est très bien. Et du coup, je place mon dévolu sur cette caisse, ce châssis, très lourd. Et j'essaye de comprendre un petit peu comment sont mis en place les différents éléments, sachant qu'il faut extraire les éléments, certains éléments, notamment les deux parties qui comportent les bogies avec les réducteurs. Et déjà, je me rends compte qu'il va falloir que je dessoude des fils. Alors, ça me saoule un peu, mais bon, je ne veux pas tout dessouder non plus. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait pour la précédente locomotive en hyper, en GRG, à savoir la 231E. Je ne vais pas enlever le calage moteur. Le moteur, il est bien où il est. J'ai pas de raison de l'enlever. Il fonctionne, il tourne. Fin de l'histoire, il reste là où il est. Bon, si j'ai un problème ultérieurement avec le moteur, je m'occuperai du moteur, mais là, pour l'instant, il n'y a aucune raison de le faire. Donc là, j'ai enlevé les deux circuits imprimés souples qui relient les lampes.
Et justement, les lampes, bah, ça fait partie des choses qui pourraient potentiellement être modernisées sur cette locomotive. Mais bah, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, mon problème va être comment je désolidarise le carter qui fait office à la fois de protection pour la cascade d'engrenage du réducteur, mais aussi qui maintient le bogie de la locomotive attaché à la locomotive. Et c'est une pièce un petit peu pénible parce que elle est quand même fragile, elle peut se briser, et à ce stade, j'avais pas vraiment envie d'avoir à devoir racheter une pièce. Alors je vous avouerai que pour extraire cette saloperie, j'ai quand même bien galéré. Hein. Là, vous voyez, en accéléré, quelque chose qui a mis pas mal de temps à être fait. Alors là, j'enlève le pignon hélicoïdal, et on verra, il y a une petite subtilité sur ce truc-là. Et puis, bah, là, il va falloir que je dessoude si je veux finir d'extraire cette partie-là du bogie. Alors là, moi, j'utilise la station à souder maison de Mu Junction, et je mets une température de 400 degrés. Comme ça, ma panne est très chaude et je n'ai pas besoin de rester très longtemps. Ça se dessoude très rapidement. Et puis ensuite, après, une fois que j'ai fini mon dessoudage, hop, j'éteins la station de soudure. Alors ça, c'est le bogie avec le réducteur. Alors, je vois qu'il tourne, mais il a des points durs. Et ça, à ce moment-là, ça n'augure rien de bon. Parce qu'un réducteur, ça doit tourner libre. Si ça commence à avoir des points durs, c'est mauvais. Alors là, c'est pareil, vous me voyez encore une fois galérer pour enlever cette pièce, mais cette fois-ci de l'autre bogie. Et je ne vous cacherai pas que je vais mettre un certain temps et que ça va particulièrement me mettre les nerfs en biseau. Parce que c'est... Alors là, pour le coup, pas très très ergonomique comme méthode d'intervention. Je suis obligé de mettre des pics à cocktail, de m'aider de mon tournevis. Enfin bon, bref, ça a été un peu une opération galère. Bon, j'y suis arrivé, hein, et j'ai même réussi à pas les péter. Donc c'est déjà plutôt une bonne chose. Mais ça m'a... Enfin, ouais, je passe un temps fou à intervenir sur cette petite pièce qui est insignifiante, en fait. Hein, mais simplement, d'un point de vue ergonomique, elle est pas facile. Bon, j'avais déjà dessoudé les autres fils, hein, donc du coup, je peux directement enlever, hop, la vis sans fin. Et puis, extraire le deuxième bogie et mettre ça de côté. Parce que là, on va commencer à regarder un petit peu. Alors, la première des choses dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, les bandages d'adhérence, ils sont cuits. Mais cuits de chez cuits. Donc là, j'enlève les petites pièces qui permettent de maintenir en place les palpeurs de courant, puisque tous les essieux, y compris ceux qui sont bandagés, sont capteurs. Alors vous allez me dire pourquoi les essieux bandagés sont capteurs, parce qu'en fait ils prennent l'électricité sur le boudin de la roue, et donc du coup ça ajoute un contact intermittent, pourquoi pas. Bon, je dirais à la limite, qui peut le plus peut le moins. Hein. Voilà, donc là j'enlève les petites pièces de calage qui permettent de maintenir en place les palpeurs, en faisant bien attention de ne pas péter les petits pitons sur lesquels les palpeurs sont enfichés, parce que là aussi... Grosse malheur, si ça arrive. Il y en a un qui est récalcitrant et qui me fait passablement chier, mais j'ai réussi à l'enlever sans problème. Mais là, bon, voilà, c'est le démontage du réducteur avec l'ensemble des pièces qui constituent le bogie. Et alors là, accrochez-vous aux branches, parce que quand j'ai ouvert le réducteur... Ce que je n'ai pas encore fait à ce moment-là, puisque j'ai décidé de tout faire en même temps. Donc là, il y a des petites languettes à soulever. Une fois qu'on a soulevé, on peut commencer à faire un petit levier, ce qui permet d'enlever d'autres languettes. Et au fur et à mesure, on avance de languette en languette. Et au final, pouf, tout se libère. Et on se retrouve avec un machin qui nous met les roues d'un côté, le carter des roues de l'autre, et le bloc avec le réducteur. Je prépare mon... bac à ultrasons
en mettant donc du liquide vaisselle et de l'eau déminéralisée. Ça tombe bien, j'en ai racheté cet après-midi. Et je fais un premier run de 300 secondes pour chauffer l'eau, pour pas que l'eau soit fraîche. Parce que si elle est, fraîche, ça sert à rien. Et là, je commence à ouvrir le réducteur. Et là, j'ai une syncope. Parce que tout est complètement fossilisé, en fait. La graisse est devenue complètement durcie et cassante, mais pourtant très collante. Et là, on voit, les gorges ne sont même pas remplies à fond. Les gorges de réserve, les zones de réserve ne sont même pas remplies à fond de lubrification. Bref, cette locomotive n'a jamais été lubrifiée correctement. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai déjà mis dans mon bac à ultrasons, alors qu'en fait, j'aurais dû passer d'abord du WD-40 pour commencer à dissoudre l'ensemble de ces éléments, ce qui fait que je vais perdre un petit peu de temps. Je vais faire un premier nettoyage au bac à ultrasons, mais qui ne va pas être suffisamment efficace, parce que les trucs sont tellement fossilisés, en fait. La graisse est tellement, a tellement durci que dans les gorges, par exemple, les gorges de décharge, c'est dur. C'est quasiment... je ne peux même pas les enlever au pic à cocktail, en passant le pic à cocktail dans la gorge. Ça ne fonctionne même pas, j'arrive même pas à les sortir. Donc tout l'enjeu, ça va être de nettoyer. Et ça va me prendre un temps fou. Je vais faire 9 sessions de 15 minutes dans le bac à ultrasons pour réussir à avoir des pièces qui sont propres. C'est juste totalement hallucinant, cette machine. Et j'en veux pas, moi, à l'ancien propriétaire. Enfin, si, quand même un peu. Mais c'est surtout pour montrer le fait que cette étape de lubrification et de vérification de la lubrification et d'appoint de la lubrification toutes les 30 heures, c'est pas uniquement pour faire plaisir à Gabriel, c'est un truc qui est de l'ordre du fonctionnement mécanique, et c'est pas une lubie que j'ai, c'est simplement qu'effectivement c'est ultra important pour garder la locomotive dans de bonnes conditions. Et préserver la mécanique de précision que sont les réducteurs. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu ce déballage et que je me suis rendu compte que même en faisant un passage au bac à ultrasons au départ, j'arrivais même pas à décoller. Et là vous voyez le bac à ultrasons, il est en train de fonctionner. Mais je ne vais pas extraire, là, ce que je vais faire très prochainement, l'ensemble pour le mettre dans le WD-40 pour accélérer le processus, c'est pas 9 passages que j'aurais dû faire, c'est une douzaine de supplémentaires, tellement l'ensemble de la graisse silicone avait super mal vieilli et avait été utilisé. Voilà, donc là, vous voyez, je décide quand même de tout sortir, de mettre le WD-40, parce que le WD-40, lui, il redonne du peps, hein, très très vite, il redissout, il est fait pour ça. Il n'abîme pas la mécanique, il n'abîme pas les pignons, mais par contre, il va dissoudre. Et vous voyez sur le bac à ultrasons, la réaction ensuite à la mise en place du WD-40 et à la marinade dans le WD-40 fait que du coup, l'action du bac à ultrasons, comme ça a ramolli tout le bousin, là, à ce moment-là, le bac à ultrasons, il commence à être efficace. Parce que sinon, c'était juste pas possible. Et vous voyez la couleur qu'a pris le WD-40 dans le récipient. Je peux vous dire que quand je fais dans d'autres locomotives, c'est sale. Mais c'était quand même pas sale à ce point-là. Et il y a des endroits où le plastique a coloré on le voit d'ailleurs là sur certains pignons. Le plastique a coloré avec du dépôt de Zamac noir, une espèce de poussière noirâtre, et ça a figé en fait la graisse silicone et ça a contribué à la durcir. Donc là ça va vraiment être grosse opération, galère, nettoyage, et ça va prendre énormément de temps. Et c'est vrai que quand on voit les efforts qu'il a fallu déployer pour la remettre en état, c'est-à-dire propre, hein, la totalité de cette vidéo a été condensée à peu près en une quarantaine de minutes,
Mais il faut savoir que moi, j'y ai passé pratiquement 6 heures sur cette locomotive pour réussir à avoir à nouveau quelque chose qui fonctionne. Donc, vraiment, moi, si c'est un message que je vais à faire passer parmi les modélistes ferroviaires, c'est vraiment de porter beaucoup d'attention à lubrifier régulièrement sa locomotive et d'éviter du coup l'assèchement par l'apport supplémentaire de graisse silicone par les trous qui sont les trous et les lumières qui sont prévus à cet effet toutes les 30 heures pour justement permettre d'éviter que la graisse sèche en n'étant pas suffisamment renouvelée lors du fonctionnement. Hein, et cette lubrification, elle est importante parce que au plus votre graisse sèche, au plus l'ensemble de la démultiplication et donc du réducteur va opposer de la résistance au moteur, et au plus le moteur va devoir forcer, au plus il va manger des charbons sur ses collecteurs, et au plus vous allez avoir de l'échauffement de votre machine. Et donc après, vous allez arriver dans un cercle infernal qui va aboutir à la destruction d'un truc. Alors soit c'est le décodeur qui en prend plein la gueule parce qu'il a du backlash électrique de la part du moteur, soit c'est le moteur parce qu'il va bouffer prématurément ses charbons, soit c'est les réducteurs parce que les éléments dans le réducteur vont fondre, littéralement. Et c'est l'ensemble de ces problèmes-là qui, pour une locomotive à 300, 400, 500 balles, ça commence à faire mal, quoi. Et moi, j'avais vraiment peur d'être obligé de devoir racheter l'ensemble du bloc réducteur sur l'un des deux blocs réducteurs. Alors, voyant que l'eau devient complètement dégueulasse, je suis obligé de refaire un nettoyage complémentaire, mais cette fois-ci avec de l'eau propre, parce que malgré ça, il y a encore des morceaux que j'arrive pas à enlever sur les pièces. Et je vous dis, là, c'est quand même la première fois que je fais un double usage de l'eau. Donc là, j'ai utilisé deux fois 600 millilitres d'eau déminéralisée. Et c'est vraiment la première fois dans une GRG que je me retrouve avec autant de travail à faire pour récupérer une locomotive prête à être à nouveau lubrifiée et saine. Donc c'est vrai que ça m'a posé quand même pas mal de difficultés, parce que c'est voilà, un défaut de lubrification, ça se paye. Alors après, moi j'en veux pas à la personne chez qui cette locomotive était jusqu'à présent, mais maintenant sur Wissenheim, elle va être aux petits soins, comme l'ensemble de mes locomotives, et avoir sa GRG. Alors là, je vais remonter les supports de la vis sans fin. Il y a une petite rondelle très très fine qui s'est décollée du coup, qu'il faut remettre et intercaler avec le support arrière de la vis sans fin. Hein. Et donc du coup, là maintenant, je vais attendre que le cycle se termine. Alors je pensais utiliser la graisse Strix pour relubrifier parce que j'avais quasiment plus de graisse Rocco. Et en fait, en voyant la gueule de la graisse Strix et en voyant le type de chambre de réserve que j'ai sur la Rocco, ça va pas en fait. Elle est un peu trop liquide, elle est un peu trop huile et pas assez graisse silicone. Donc du coup, j'ai réussi à vider jusqu'à la moelle la dernière substance de mon tube, et donc j'en ai recommandé dans la foulée parce que mine de rien, c'est du consommable et c'est du consommable de maintenance, donc c'est important. Et donc là, je fais un premier essai, et je me dis oh là 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 là, ça va pas aller. Alors pourquoi ça va pas aller? Parce qu'en fait, Rocco a prévu des chambres de réserve dans les engrenages, dans les pignons, et ces chambres de réserve, elles ont besoin d'avoir une certaine graisse, une certaine consistance de graisse pour ne pas littéralement partir des chambres de réserve. On verra d'ailleurs sur la 241 comment c'est fait, mais en tout cas, sur les Rocco, il vaut mieux utiliser une graisse silicone, donc la graisse Rocco, mais sinon une graisse silicone, ça fait très bien l'effet, hein, mais qui soit un petit peu émulsionnée, qui soit pas trop liquide, pour justement permettre à l'ensemble de pouvoir rester en place dans les chambres de réserve.
Alors voilà, donc là je commence les lubrifications, et évidemment faire le remontage, là je fais n'importe quoi, hein, puisque je mets deux essieux intermédiaires dans le même truc, enfin c'est n'importe quoi. Je vais me rendre compte de mes erreurs, au bout d'un certain temps je me dis tiens c'est bizarre, ça tourne pas, et puis en fait ah bah oui c'est normal, c'est pas le bon essieu. Et puis donc pendant ce temps-là, le bac à ultrasons, il est toujours en train d'ultrasonner, hein, il continue à nettoyer les pièces, mais il y a beaucoup moins de dégagement. Ce qui veut dire que les pièces sont pratiquement propres et que là, je fais vraiment de la finition pour être sûr que ce soit nickel. Bon, donc le montage qui est un peu hors champ, je suis désolé, j'aurais dû faire gaffe. Le montage de ça, le remontage est aussi pénible que le démontage. Hein. Il faut bien répartir la graisse, il faut en mettre. Il faut que les chambres de réserve, quand vous fermez les carters, les chambres de réserve soient pleines. Donc il y a pas mal de chambres de réserve un peu partout, il faut qu'elles soient pleines. Et bien évidemment, il faut aussi faire en sorte que l'ensemble de la pignonnerie puisse, avec l'action, la rotation des roues, extraire de la graisse des chambres de réserve pour venir s'auto-lubrifier d'une certaine manière. Voilà. Donc bah là maintenant il faut reprendre un petit peu tous les éléments un par un et vérifier que l'ensemble des pièces soit parfaitement propre. Et ça vraiment moi je en règle générale je suis beaucoup plus léger quand c'est déjà propre, parce que bon voilà, mais là ça a vraiment été un nettoyage particulièrement important. Alors ensuite, après, j'ai eu une frayeur parce qu'il faut remettre des bandages d'adhérence. Et évidemment, il ne me restait plus qu'un bandage d'adhérence Marklin. Alors j'avais des bandages d'adhérence Rocco 40-70, mais je ne suis pas super fan des Rocco parce que, un, je les trouve un peu trop fins. Et ensuite, ils ont une tendance à mal vieillir. Donc je me disais, j'avais pas trop envie de devoir, dans 20 heures ou dans 30 heures, devoir changer les bandages. Vu comment c'est une tannée pour ça, il faut quasiment tout démonter. Donc, je m'étais dit, voilà, bon, finalement, je les ai mis quand même. Les Fleshman, ils étaient trop grands, ça marchait pas. Et le Marklin, il en restait un, donc je pouvais pas le mettre sur les roues. Donc, du coup, bah, il y a 4 bandages d'adhérence Rocco. Bon, après, ça va, hein, c'est pas... Mais par contre, ils sont un peu pénibles à mettre, parce qu'il faut légèrement les tirer. Et j'aurais peut-être pu mettre des bandages un peu plus avec d'un diamètre un peu plus supérieur, mais bon, j'ai réussi quand même à les mettre. Je me suis battu avec les essieux, mais j'ai réussi à les mettre. Et pour l'instant, de ce que j'en ai pu voir sur les quelques tests que vous allez voir à la fin de la vidéo, ça a l'air de bien fonctionner. Donc on est reparti pour un tour. Mais ensuite, après, là, j'étais en train de causer sur le Discord en même temps que je faisais ça, donc du coup, il y a des étapes, à certains moments, où je les ai fait dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai placé les 3 essieux. Mais en fait, il ne fallait pas que je les place maintenant. Il fallait d'abord que je mette la pièce, en fait, qui symbolise l'ensemble de l'aspect extérieur, c'est-à-dire les boîtes à rouleaux, les amortisseurs, etc. Il fallait que je l'enfile dans la pièce du réducteur et ensuite seulement mettre les 3 essieux, les lubrifier, puis mettre le carter inférieur, clipser le carter inférieur, et à ce moment-là, c'était fini. Bon, je ne l'ai pas fait comme ça. Enfin, j'avais commencé trop tôt et je n'avais pas fait attention à cet ordre de montage. Bon, bah, c'est pas grave, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais d'un autre côté, c'est la première fois que je faisais une locomotive comme ça, donc bon, il y a un moment donné, il faut aussi découvrir. Hein. Donc là, j'ai sorti toutes les pièces, enfin, toutes les pièces sont nettoyées, j'ai rangé le bac à ultrasons. Maintenant, je vais pouvoir donc m'atteler au remontage, et là, vous voyez notamment comment vont être graissées. Puisque là maintenant j'ai refait un petit peu le cadrage, et donc vous allez pouvoir voir un petit peu la lubrification. Alors vous voyez, je mets d'abord en premier le pignon jaune, je remplis sa chambre de réserve,
je l'appuie, il y a donc un petit peu de graisse silicone qui sort à l'endroit de l'axe. Avec un léger bâton, je viens combler l'autre chambre de réserve de l'autre côté de ce pignon. Je fais la même chose avec les deux pignons de transmission. Je viens en remettre sur les chambres de réserve de l'autre côté. Et ensuite, après, je viens remettre l'autre plaque. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça déborde un petit peu. Quand on tourne, ça sort. Oui, mais c'est normal. Il y a du surplus. Il faut faire tourner un petit peu à vide avant d'avoir mis sur le moteur pour que l'ensemble de la graisse se répartisse bien dans les chambres de réserve. Le principe d'une chambre de réserve, c'est de permettre d'avoir un appoint de lubrification en fonctionnement. Donc, quand le réducteur tourne, il va expulser le trop-plein qui est sur les pignons vers les chambres de réserve. Et quand les chambres de réserve sont pleines, elles viennent au fur et à mesure apporter de la lubrification au réducteur qui tourne. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne un peu en va-et-vient. Et au bout d'un certain temps, ce va-et-vient ne fonctionne plus parce que la graisse s'est durcie. Et c'est à ce moment-là où il faut faire une GRG. En règle générale, on considère que quand on vient faire des apports, bah, c'est toutes les 20 heures ou toutes les 30 heures. Et au bout de 2 ans ou de 1000 heures d'utilisation, il faut changer complètement l'huile et la graisse dans les réducteurs. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et c'est important à avoir à l'esprit le fonctionnement mécanique d'un réducteur et pourquoi c'est très important de lubrifier. Alors, je ne sais pas combien de fois en 24 minutes je vous ai parlé de lubrification, mais vous pouvez constater que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va déterminer la longévité de votre locomotive. Donc, pour moi, c'est ultra important d'avoir toujours un œil sur l'état de lubrification de ces locomotives pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, je viens de réassembler la vis sans fin avec la petite rondelle et la dernière petite pièce qui va s'insérer dans la colonne de réduction. Et là, je suis en train de faire un petit peu mon organisation pour l'étape qui vient. Hein, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de toujours regarder les instructions, revenir sur les instructions, revenir sur l'éclaté des pièces détachées, pour être sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose. Voilà, alors là, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai un peu galéré à certains moments. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'avais pas fait gaffe que sur ce bogie-là, j'avais mis les deux essieux avec les bandages d'adhérence. Donc, ça m'oblige à tout redémonter. Voilà, une erreur un peu con. Hein. C'est effectivement, quand on fait un démontage comme ça, c'est bien d'avoir un peu de diversité. Donc il y a le bandage d'adhérence et puis et puis ensuite après on vient remettre donc la pièce. Alors, désolé, c'est un peu hors cadre. Alors, là voilà, c'était, je me disais mince, mais comment on met ce truc, voilà. Donc on met la pièce qui symbolise les bogies. Et je me souviens plus dans quel sens il fallait que je la mette. Voilà, non, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est là où tout d'un coup je me fais ah mais oui, non, cette pièce-là, il faut que je la mette sans les essieux. Voilà. Et ça marche déjà beaucoup mieux. Sans les essieux. Et puis ensuite, après, on met les essieux. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, après, une fois que les essieux sont placés, on peut mettre la plaque de fond. Et la clipser. Et voilà. Et ensuite, après, on fait tourner un petit peu pour que la graisse commence à déjà se mettre un petit peu et éviter que quand on mette sur le banc, ça éclabousse de partout. Voilà. Et donc, du coup, bah, là, je vais faire la même chose pour le deuxième bogie. On va le remonter. Et puis, reclipser. Faire un petit mouvement avant-arrière. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite de l'assemblage du bogie. Donc, on va remettre les palpeurs. On va remettre les pièces qui maintiennent les palpeurs. Puis,
Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de WD-40 contact sur l'essuie-tout et je nettoie les palpeurs en faisant attention de qu'ils soient bien redressés, correctement positionnés. Et puis ensuite, après, je remets les palpeurs en place. Je remets ensuite après donc les pièces qui maintiennent les palpeurs en place. Et ensuite après, donc je fais ça des deux côtés, hein, y a des palpeurs de chaque côté. Voilà. Donc c'est minutieux, c'est pas difficile. Mais si on a fait un démontage correct, le remontage, c'est un peu une balade de santé quand même. Hein. Faut dire, en comparaison, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, je remets sur le pivot. Je mets le deuxième sur le pivot, parce que j'avais déjà fait le pré-équipement du deuxième. Je viens nettoyer un petit peu les traces qui sont pas très propres à l'intérieur. Et je remets sur le cardan la vis sans fin du réducteur. Voilà. Donc je la remets dans son logement. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux plus faire tourner les roues. Je viens lui mettre une noix. Alors vous voyez, là, je suis vraiment en train de sortir l'extrême moelle de ce tube. Je viens répartir un petit peu et je viens remettre le carter de protection au-dessus qui permet de maintenir le bogie en place. Cette espèce de pièce qui m'a fait galérer à enlever. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux faire ça de l'autre côté. Donc, rebelote, la vis sans fin qui chapeaute le réducteur, encore une dernière petite noix que j'ai préservée, voilà, et puis ensuite après, le carter qui sert aussi de fixation et de guidage du bogie. Et voilà, et donc là, le pot, adieu. On ressoude les fils. Donc là, pareil, faire très chaud. On n'a pas besoin de rester très longtemps. On pose le fil, on pose le fer et c'est terminé. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir un fer très chaud. Hein, faut pas attendre trois quarts d'heure que le machin échauffe. Et ensuite, après, on vient remettre les petites plaques avec les loupiottes. Et je savais plus comment elles se mettaient. Voilà, toujours revérifier. Donc là, c'est fait. Celle à une extrémité, celle à l'autre extrémité, et on va remettre ensuite, une fois qu'on a fait ça, le carter du haut-parleur qui vient se placer. Et voilà, c'est terminé. Et puis maintenant, on va remettre la caisse, emballer, c'est pesé, fin de la GRG. Maintenant, rodage. Avant mise sur circulation du réseau. Bon, c'est un petit peu chiant à remettre en place hein, la caisse, mais c'est joli. Voilà. On a entendu l'éclipse, tout va bien. Et puis maintenant, on va simplement vérifier que tout fonctionne bien. Marche avant, marche arrière. Donc là, je ne l'ai pas encore rodée. Hein. Donc elle est assez brute. Donc il va lui falloir un petit peu de rodage hein, avant. Mais ça démarre. Pas de problème. Le son fonctionne. Bon, là, je ne l'ai pas mis. Mais ça permet de voir. Maintenant, elle va passer au banc. Et voilà, c'est la fin de cette grande révision générale. Pas simple. Pas simple parce que c'est la première fois que je démonte un modèle de cette génération diesel. Et c'était pas du luxe. Parce que entre la lubrification qui était devenue noire, figée, j'ai quand même été obligé de passer pas mal de fois le bac à ultrasons, de faire des sessions beaucoup plus longues que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mon diagnostic, c'est que cette locomotive n'a jamais été lubrifiée. Elle a été utilisée en sortie de boîte. Or, quand on achète une locomotive chez le fabricant, il y a juste ce qu'il faut pour lubrifier à minima.
pas trop, parce que sinon la lubrification risque, pendant le transport, de s'enfuir. Mais clairement, il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'au bout de 20 heures, il faut faire une mise au point et en remettre. Et effectivement, ça n'a jamais été fait. Ce qui fait que la lubrification de départ ne remplissait pas complètement les chambres de décharge. Et donc, du coup, bah, il n'y avait pas assez de lubrification. Et la lubrification s'est mise dans des espaces, mais n'avait pas suffisamment de volume pour venir en permanence relubrifier les engrenages. Alors, par chance, c'était un peu ma crainte. Les engrenages des deux étages de réduction n'étaient pas trop endommagés, mais ils étaient suffisamment embourbés pour créer manifestement des problèmes au niveau de la propulsion et certainement une surconsommation de la locomotive. Donc c'est un petit peu compliqué, effectivement, de parce que ça a nécessité pas mal de travail. Maintenant, la locomotive est réassemblée, elle marche, elle fonctionne. Elle va faire son cycle de rodage, alors pas ce soir, parce que... Alors vous, au moment où vous allez voir la vidéo, c'est le matin, mais moi, j'y ai passé 6 heures sur cette blague. Et donc là, je suis un peu fatigué, donc je ferai une session de rodage de la locomotive sur le banc. Et puis ensuite, une session de circulation. Et ça fera certainement l'objet d'une vidéo dans la semaine qui vient, pour avoir le plaisir, enfin, d'avoir mon convoi Étoile de l'Est qui fonctionne sur le réseau de Wissenheim. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de démontage et remontage de la 68000 A1A A1A de chez Rocco, référence 62901. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et faites du train. Ciao !